quel beau monde Minecraft! Et paf, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui va aujourd'hui arriver au monde de Natop. Il m'avait demandé un mode pour avoir un lasso, je lui ai envoyé, mais ce qui s'est passé, c'est que c'était un mode très spécial. Avec ça, je vais pouvoir rejoindre son monde, le suivre déguisé en animal, faire plein de trucs bizarres. Je vais aussi petit à petit corrompre son jeu, vous allez voir, ça va être génial. Test, test, test. Ok, normalement, si j'ai raison, si je clique ici... Oh voilà, regardez, c'est vraiment le monde de Natop. 1, 2, 1, 2, test, ok. Ah, je suis trop fort, maintenant, si je clique ici, je vais pouvoir rejoindre son monde. Faut juste espérer qu'il me voit pas, j'ai trop peur. Oh, attendez, je vais quand même cliquer, ok, c'est bon, je clique, ok. Fermez ça. Tac, ok, le micro, on est bon. Non, parce que quand on se connecte, en fait, ça affiche un message. Tac, 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 tac. Oh non, je crois que ça affiche un message. On est bon, qu'est-ce qui... Désolé. Et paf, regardez, oh, c'est bon. Oh, je suis trop intelligent, regardez, en fait, j'avais préparé un petit message au cas où. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah zut, désolé. Bah oui, désolé, tu m'étonnes. Ouais, c'est bon, il est bien parti. Il me fait pas un troll à la con, là. Ok. Et ouais, regardez, là, j'ai fait un message dans le chat qui dit que j'ai quitté le jeu alors qu'en fait, bah, je suis toujours là. Et regardez, on a Natop qui est juste là sur la droite. Et je vais vite fait vous réexpliquer le concept, même si je l'ai déjà fait dans l'intro. Mais en gros, par là, j'ai envie de faire un espèce de giga enclos avec tous les mobs dedans. Que ce soit les cochons, que ce soit, je sais pas, des poulets. Tous les mobs, ça va dans des enclos. Et c'est parti, et on commence en plus à côté d'un petit village. C'est incroyable. Ok, donc là, pour l'instant, j'ai l'impression que l'infiltration a vraiment fonctionné. Ok, là, il va vers le village et tout. Je sais pas trop ce qu'il est en train de faire comme type de vidéo en vrai. Parce que là, il m'a pas du tout dit ce qu'il est en train de faire, donc je sais pas. Et en plus, regardez-moi tous les mobs qu'on a. On a des villageois, on a des chevaux, on a des moutons, on a. Oh là là. Attendez, il est déjà en train de casser du bois et tout. Ouais, non, mais vraiment, par contre, il est chaud. Mais bon, si vous regardez bien, j'ai toute une liste de trucs à faire et j'ai des trucs vraiment très stylés. Je vais commencer un peu à casser du bois. Sans doute que vous voyez un truc dans mon inventaire. Mais ça, c'est un objet, mon gars, mais qui est formidable. Hein. Attendez, déjà, vite, je vais faire cette commande là. Voilà, maintenant, normalement, il voit plus mon pseudo du tout. Attendez, vous savez quoi? Au pire, là, je sais pas trop où il est, Natop. Bonjour, messieurs les villageois. C'est un lasso. Genre, je peux le lancer comme ça et chla, je peux capturer un villageois. Donc voilà, on va se déguiser en cheval et on va pouvoir un petit peu plus s'approcher de lui. Ah oui, non, mais aujourd'hui, j'ai vraiment préparé des trolls assez stylés. Vous allez voir qu'à la fin, son monde n'aura plus aucun sens. Maintenant, il me suit là, moi. Et après, j'ai juste à faire clic droit dessus et je peux le récupérer. Voilà, c'est Multi qui m'a trouvé ce mode en vrai parce que de base, il me voyait galérer avec les lassos de Minecraft et il s'est dit, vas-y, tu sais quoi. Et le truc, c'est que lui, normalement, il a aucune idée parce que lui, il pense vraiment qu'il a aucun mode à part le lasso que je l'avais envoyé. Natop, tu es où, Natop? Eh mais je l'ai perdu de vue, il est passé où encore? Et en attendant, je pense qu'on peut avoir besoin d'une petite hache en fer. Et regardez-moi qui c'est qu'on a là. Faut quand même que je sois super discret parce que là, c'est vraiment que le début. Paf, tac. Et hop, voilà, on va pouvoir se déguiser en abeille, ok, c'est bon. Tant que je suis, je pourrais faire apparaître un petit peu d'autres abeilles, voilà. Comme ça, il y a tout un troupeau d'abeilles, c'est moins cramé si je suis là en train de voler. Je vais essayer de passer vraiment juste à côté, regardez, juste là, comme ça, là. Oh, et c'est bon, je repars, ok, c'est bon, oh. Là, on a le golem, je vais faire un peu attention. Et normalement, si je fais ça, allez, hop, hop, hop. Allez, on casse tout ça, voilà. Et oui, parce qu'on a 100 jours pour le faire. Et pour l'instant, on est au jour 0. Donc voilà, faut vite que je me dépêche. J'ai réussi à passer juste à côté, il a rien cramé. Attendez, par contre, dans son monde là, il a beaucoup d'animaux partout. Regardez, il a plein de trucs. Ça m'a donné une petite idée. Non, mais j'allais tuer la vache, mais il faut pas que je la tue. D'ailleurs, est-ce qu'il y a pas du fer quelque part? Enfin, non, pas du fer, mais des bottes de paille en vrai. Regardez-moi toutes les petites abeilles qu'on a là, c'est trop stylé. J'aime bien quand il y a beaucoup de diversité comme ça, c'est vraiment, vraiment stylé. Là, être déguisé en vache et tout, c'est bien marrant, mais c'est pas vraiment le but de la vidéo. Je récupère quand même encore un peu de bois, je vais pas trop endommager les maisons. En vrai, ce serait dommage de le faire. Normalement, là, regardez, si je me mets là comme ça, là, et que je tape ici, non, que je tape, ok, comme ça, là, voilà, ok, c'est bon. Comment on craft des barrières déjà? C'est genre... Ah non, c'est comme ça, ok. On va du coup pouvoir commencer à faire des petits enclos. Aïe, mais... J'ai réussi à le taper comme ça à distance et lui vraiment il peut pas savoir que c'est moi. Mais c'est quoi qui m'a tapé là? Je me suis pris un dégât de chute? Bah non, mais c'était un bloc. Genre je me prends des dégâts de chute à un bloc de haut maintenant, ok bon. Et peut-être qu'il pense déjà que son monde est un peu bizarre, mais non, pour l'instant le monde il est très normal. Et maintenant on va gentiment casser ce bloc là, voilà. Écoutez, vu qu'il y aura une espèce par endroit, on va pas faire trop grand hein, non plus. Baum, baum, mince, et paf paf. Ok. Pourquoi ça s'est cassé là? Ah ouais, je pense que ça c'est un peu cramé. Regardez vraiment, il est juste là derrière. Regardez-moi ça, là c'est. Chut, là le mouton là. Voilà, viens là mon pote. Je sais pas trop ce qu'il est en train de faire, mais regardez, il est en train de faire un espèce d'enclos. Ok, je crois qu'il est en train de capturer les animaux, ok. Ah ouais, non, mais c'est pour ça en fait qu'il m'avait demandé un lasso en fait. Mais oui, c'est pour capturer les animaux. Et c'est trop bien parce que regardez, là je peux partir comme ça, il me suit genre. Et ensuite j'ouvre ça, je l'amène là-dedans de force. 1.5 player. Et paf, voilà. Normalement, si vous regardez bien, tous les animaux ont grandi sauf lui, ce qui fait que normalement il devrait pas forcément cramer. Et de 1, il m'en faut 2. On va mettre 2 moutons par enclos. Donc là-bas, il y en a un autre par exemple. Yeah. Si je l'attrape de là, vous devez vous abonner. Attention, hey, là. Et je l'ai eu. Let's go. Allez, abonnez-vous tous. Ouais, non, en vrai, le mouton est super grand. Ouais, non, en vrai, par contre, ça se voit trop, trop, trop. Pam, 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 pam. Regardez-moi. Wow. Oh, le mouton. Mais pourquoi le mouton, il... Et pourquoi le mouton, il est plus grand? Il fait ma taille, presque. Faut vite, vite que je change ça, voilà. Voilà, comme ça, normalement, ils sont un petit peu grands, mais un peu moins normalement, ça va. Normalement, là, il a rien remarqué. Mais il est rapide, en vrai. Enfin, il est arrivé giga rapidement d'un coup, il a sauté, il m'a fait peur. Mais non, mais reviens là, toi, en plus. Mais oh, mais abruti de mouton. Normalement, vu qu'il a déjà commencé à capturer des moutons, il devrait pas forcément vouloir essayer de me capturer, moi, et ça devrait être bon. Tu crois t'en fuir où, toi, là? Allez, là,
viens là, viens. Allez mouton. Premier mob enfermé, c'est les moutons. Let's go. Tu veux une vache, Natop? Regarde, je suis juste là, Natop. S'il veut capturer une vache, je suis juste là. Oh, regarde, je crois que c'est bon, ok, il m'a vu. Est-ce qu'il veut capturer la vache? Est-ce qu'il veut essayer de me capturer ou pas? Je pense qu'à côté, on va pouvoir se faire un mini enclos. Genre là. Oh, pour les vaches. Eh, j'en ai déjà une d'enfermée. Je vais partir un peu là, ok. Je vais essayer de faire la vache un peu normale. Oh, regarde, non, je crois qu'il va vraiment essayer de me capturer, regardez. Eh, je suis tellement efficace, moi, vous savez. Est-ce qu'il y a une autre vache par là? Oh, mais elles sont toutes là-bas, genre. Eh, par contre, il est trop stylé avec son lasso, mais c'est trop stylé en vrai comme truc. Ouh. Ya, viens là, la petite vache. Là, il y a des petits moutons qui sont là. Là, en fait, j'ai envie de faire un troll pendant qu'ils regardent pas, mais ça va être compliqué. Me. Et là, j'y vais direct comme ça, là, tout droit. Oui, mais je suis trop fort. On va se faire un troisième enclos et ça, ce sera les cochons. Là, faut que j'attende qu'ils partent un petit peu. Non, mais bouge un peu, Natop, s'il te plaît. Non, ben non, j'allais dire. Ou alors les moutons. Mais non, mouton, c'est déjà fait. Je suis un peu bébête. Bonjour, monsieur le cochon, là. Ok, là, il part un petit peu de l'enclos. Ok, c'est bon. Voilà, regardez, normalement, le cochon vient clairement de mourir devant ses yeux. Non, allez, viens là. Et de 1. Et là, normalement, voilà, il y en a un autre juste ici. Donc, j'ai juste à faire ça. Hop, et voilà. Allez, viens là, petit cochon. Pourquoi il est mort, l'autre? Non, mais c'est pas de ma faute, c'est le cochon est mort, quoi. Il y a juste le monde qui a un petit problème. Le monde est corrompu aujourd'hui. Vous allez voir, vraiment, c'est que le début. Pourquoi t'as tué ton copain, toi? Bon, au moins, lui, il a été facile à ramener. Mais du coup, l'autre, il est mort. Donc, c'est nul. Et là, paf, ok, c'est bon. Normalement, là, c'est vraiment devant ses yeux que j'ai pu tuer les moutons qui sont là. Allez, toi, viens là. Et après, faudrait faire les abeilles à un moment. Mais what? Mais pourquoi les moutons, ils sont morts là-bas? Ok, là, c'est bon. Regarde, c'est quoi? On va faire apparaître plein de cochons. Ok, c'est bon. Bon, viens là, mon cochon, là. Mais pourquoi? Mais ah, oh, mais ils sont cons, ces mobs, en plus, là. Non, mais punaise, mais rentre. Viens là, toi aussi. Et voilà, regardez, je vais apparaître plein de petits cochons alors que vraiment, de base, c'était un enclos à moutons. Mais non, maintenant, il y a des cochons. Vous savez quoi, là, je vais bouger un petit peu là, comme ça, là. Et hop, là, c'est bon, on va disparaître. Mais il le fait exprès, ce bourrique, là. Viens. De base, il avait des moutons ici. Ils ont disparu. Il avait deux vaches, maintenant, il n'y en a plus qu'une. Et là, il avait aussi des cochons, mais il y en a quelques-uns qui sont morts. J'ai pas de carottes. J'aurais dû piquer des carottes, hein. Mais pourquoi il y a plein de cochons, là, d'un coup? Mais c'est quoi ça? Mais oui, ils sont où mes moutons? Et pourquoi il n'y a plus qu'une vache là? Ok, donc là j'ai réussi à un petit peu m'éloigner du village. Lui, si je dis pas n'importe quoi, il est quelque part au fond là. Regardez, voilà, il est quelque part par là. Regardez, il est juste là. Bon, on va faire par étapes. On va déjà faire la vache. C'est les plus nombreux. Donc, vache là-haut. Hop là là. Et donc là, moi, ici, je vais pouvoir commencer à poser des commandes blocs. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, maintenant, je vais pouvoir commencer un petit peu à modifier son monde un peu plus facilement. Ah oui, mais la vache, ouais, si elle suit pas, elle suit à un moment, hein. Allez, viens là, la vache. Je sais pas où il est parti, mais en vrai, vous savez quoi, ça me dérange pas. Parce que là, maintenant, pendant qu'il regarde pas, vous savez quoi, je vais pouvoir un petit peu poser des blocs, voilà, comme ça. Et maintenant, là, de base, il y avait des moutons qui sont morts, tués par ces cochons, là. Meurs. Ah, ils sont morts, tes enfants, hein. Chla. Et vous savez quoi, venez, je kidnappe des villageois. Oh, les villageois, ils se font entraîner, les pauvres. Ya. Et maintenant, je vais partir là-bas, miner un peu de bois. J'ai du bois là-bas à choper. Et voilà, comme ça, normalement, c'est très bien. Pif, paf, pif, pouf. Ok, attendez, alors il est passé où maintenant? La vidéo elle s'arrête au moment où il me trouve. Pif, pouf, paf, tac. J'ai essayé de faire le max que je peux là. Eh, mes mobs vont bien pour l'instant. Tac, 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 tac. En vrai, j'ai trop envie de jouer avec le feu, mais j'ai envie de passer juste à côté de lui, vous savez là, comme ça. Eh, je suis passé juste à côté, il a rien vu. Attendez, est-ce que je peux toucher un des mobs là-bas avec ça? Non, là j'ai de la terre. Voilà, on va passer là, comme ça là. Bonjour. Oh non, il est en train d'essayer de nous kidnapper. Oh non, il vient de kidnapper mon cousin. Non, Natop, s'il te plaît, arrête de kidnapper. Non, mon pauvre cousin. Poulet, viens là. Je les en ai un comme ça là déjà. Oh, il y a son petit qui suit. Attends, et l'autre, je vais le choper là comme as. Vous savez quoi, je vais le suivre aussi un petit peu là. Voilà, on va faire croire que je suis un petit peu débile. Oh, regardez, oh, il m'a kidnappé. Ok, c'est quoi du coup? Vraiment, je vais rentrer là et tout. Ok, c'est bon. Là, viens là, poulet. Voilà. Je crois que là, il a pas eu remarqué que le poulet c'était vraiment moi depuis le début. Eh, l'infiltration, elle commence bien, mais là, le monde il a pas. Oh, c'est bon, il a vu les blocs. J'allais dire justement que le monde a pas été assez corrompu, mais là, je crois que c'est bon, il a remarqué. T'es enfermé maintenant. Ah, et nulos, il est enfermé là. Pourquoi il y a des espèces de blocs de laine là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas le miner, genre. Et ça se mine pas, ça se casse même pas. Mais là, le truc qui se passe, c'est que si jamais il marche sur le bloc, il y aura des petits effets et tout, mais j'avais l'impression qu'il a pas envie d'essayer. Pourquoi il se casse pas là? Il y a même pas une once de. Mais vas-y, mais si ça prend 500 000 ans à se casser. Ah, faut pas aller dessus. Oh, what de quoi? Ah, oh, c'est bon, il a pris des dégâts. Ok, c'est bon, regardez. Oh, il a vu le truc. Je vais faire spawner un petit peu de poulet là, partout, comme ça, ok, c'est bon. Et là, vous savez quoi, on va vite disparaître, ok, c'est bon. Oh, mais c'est trop bien, ça fait un ascenseur tout seul en fait. Attends. Aïe, mais oui, mais c'est bien pour monter sur les barrières là. Mais pourquoi il y a autant de poulets là? Mais je suis parti 2 secondes sur le bloc là et il y a 500 millions de poulets qui sont apparus aussi. C'est quoi ça? Je crois que j'ai un petit peu disparu devant ses yeux. Je sais pas d'où s'il a vu, mais normalement, s'il faisait pas attention, ça devrait être bon. Vous y comprenez quelque chose, vous? Bah non, vous y comprenez rien. Ok, alors là, j'ai une autre idée de troll assez cool là pendant qu'il est occupé au niveau de son truc. Paf, voilà. Normalement, tout ce qu'il y a dans la main, regardez, ça s'est un petit peu agrandi. On va l'amener par là, genre là, comme un saut de mouton. Tête de Wham, je vais monter, tu vas me suivre. Voici, on voit les blocs, ils sont énormes. Suis-moi. Voilà. Non, mais regardez la taille des blocs là par rapport à lui. Ouais, bon, c'est un petit peu cramé, mais c'est que le début. Ah, c'est trop pratique en fait, mais faut que je fasse ça. Genre, en vrai, c'est giga pratique les.
tour. Attends, quoi? Et non, mais les items, ils font bien la taille norme. Quoi? Hein? Mais pourquoi ma pelle, elle est... Mais ouais, mais c'est quoi ça? Pourquoi le bloc, il fait la taille de ma tête? Genre, guettez ma tête. Bah, vous voyez pas, il y a le bloc avant, c'est normal. Mais quoi? Ok, donc là, j'ai réussi à m'infiltrer un petit peu à l'intérieur de ce truc-là. On va vite se transformer en villageois, ok, c'est bon. Est-ce qu'il a remarqué qu'il y a eu un troisième villageois alors que de base, on en avait que deux? En vrai, je pense pas, hein. Là, je suis un génie, hein. Steve Jobs à côté, c'est du pipi de chat, hein, t'es d'accord? Oui, il est d'accord. Là, je vais vous refaire la démonstration, parce que c'était formidable. Ok, là, c'est bon, regardez, là, il est un petit peu parti. En fait, c'est vraiment au moment où il regarde pas, faut que je fasse un petit troll, mais ça va être cramé. T'as un mouton là, tu le chopes, tu montes un peu en hauteur, et là, j'avance. Aïe! Oh non, mon mouton, il est mort! Et là, faut attendre qu'il regarde. Ok, c'est bon, regardez, l'air, regarde en l'air, et là, paf! Oh, mais je suis un imbécile, fini un peu à la pisse, on va dire. Bon, je vais faire une très grande tour, en vrai, je pense. Genre là, tu vois. Alors, j'essaie de calculer, il me faut du bois là-bas. Voilà, regardez, j'ai vraiment transformé toutes les barrières en barrières noires. En vrai, c'est cramé, mais peut-être qu'il est un peu bête. Ouais, non, je pense que ça se voit. Non, je pense qu'il a... Attends, il a pas marqué là. Comment je peux faire pour descendre? Et hop là, voilà, on va vite remettre comme avant. J'espère vraiment qu'il a pas remarqué par contre, parce que là c'était super cramé. Si je fais ça et que je fais ça, je vais casser ce bloc là et ce bloc là, voilà. Comme ça les animaux là, s'ils veulent sortir, regardez, ils vont pouvoir commencer un petit peu à sortir. En vrai, attendez, là je le vois en hauteur, du coup j'ai une petite idée de troll à faire. Natop, stick, si je fais ça, j'ai pile assez normalement pour me faire des échelles. Et pam, je suis sain et sauf, je suis un génie, c'est bon. Et je vais aller chercher un peu de bois, après ce sera pratique pour tout le reste. Maintenant en fait, à chaque fois qu'il va sauter de juste un bloc de hauteur, il va prendre directement un dégât de chute. À chaque fois qu'il saute, il va prendre un dégât de chute comme s'il sautait de genre 10 000 blocs. Mais les items, ils font 3 fois la taille de base, c'est quoi ça? Je comprends rien. Ok, là c'est bon, il regarde pas, du coup on va pouvoir les tuer eux, voilà, on va les tuer comme ça. On va aussi tuer la vache qui est là, voilà, ok c'est bon. Et on va gentiment disparaître sous terre. Tac, tac, tac. Ça va, 15 échelles, juste je vais aller me chercher de quoi boire. Hein. J'arrive les gars. Ok, me voilà. Allez hop, je pose ça ici. Pam et paf, 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 paf. Oh non, mais pourquoi la barrière elle s'est pétée là? Mais surtout, pourquoi c'est pas les mêmes barrières, sérieusement? Genre. Et là, je sais pas du tout s'il a cramé pour l'instant ça, mais je vais pouvoir commencer un petit peu à poser plus de blocs violets un peu bizarres. Vous savez quoi? On va aussi en poser un petit peu là, là, comme ça. Ok, non, c'est bon, il a pas vu. Ok, non, c'est bon. Et même là-bas, non mais. Et vas-y, je comprends rien. C'est qu'il y avait des vaches là avant. Et là, je pense à plutôt être au niveau du village, mais pour l'instant, il est pas au village. On va pouvoir commencer vraiment à modifier les trucs. Et même là, c'est cassé, mais pourquoi? Voilà, j'espère vraiment qu'il a pas vu, mais ça a posé vraiment plein de petits blocs bizarre. Par contre, là, il y en a vraiment eu beaucoup, en fait. En fait, je pense que c'était un petit peu trop cramé, du coup, on va en enlever un petit peu. Et il faut que je mange, hein. Allez, c'est bon, les shadow bass, ça dégage. Du coup, maintenant, il me refaut un autre mouton. Et maintenant, on va pouvoir vite remettre les items à la taille normale dans sa main, parce que je pense que là, c'est quand même un petit peu cramé. En vrai, oui. Aïe, mais quoi? Mais j'ai repris un dégât de chute, mais pourquoi? Mais quoi? Mais pourquoi? Pourquoi se prend un dégât de chute dès que je fais un saut? Mais c'est trop dangereux sa mère, genre. Ok, donc là il est occupé en train de faire je sais pas quoi avec un mouton, donc on va pouvoir vite un petit peu poser ça comme ça, ok voilà. Ah voilà, tu montes là, voilà, vous voyez. Oh ça passe. Et on va un petit peu corrompre le truc, genre un petit peu à des endroits un peu random, voilà, là comme ça. Hop là, ok je prends pas de dégâts, c'est bon. Ici aussi, voilà. Voilà, regardez, j'ai vraiment posé partout plein de petits blocs un peu corrompus. Là-bas il y a une vache. Aïe, mais punaise, mais j'oublie ce truc là, mais c'est quoi Minecraft ça? Parce que ouais, aujourd'hui on va vraiment tout faire petit à petit, genre au début. Vous voyez, le monde il est pas trop corrompu, il est juste un peu bizarre. Mais à la fin, vous allez voir qu'il va être complètement mort. Allez, on va faire la bonne vieille franquette. Hi, ok. Je vais essayer un petit peu de m'approcher de lui là maintenant que je suis déguisé en panda. Et j'ai vraiment cru que la vache là c'était lui. Oh, j'ai eu trop peur. Ces blocs, je sais pas d'où ils viennent. Aïe, tu vois là, j'ai perdu de la vie. Et ben pour éviter de m'en reperdre, j'ai juste à faire ça. Et ensuite, hop, je suis un génie. Je sais pas s'il m'a vu là, mais là, il y a carrément un panda juste là. En vrai, ça aide vraiment, hein. Il y a moyen que ça aide. Mais viens là, la vache. Ouais, vache, elle résiste là. Mais quoi, mais non, il m'a pas vu. Non, mais Natop. Je vais un peu marcher là comme ça, voilà, comme ça. Un petit peu. Mais elle bouge même plus. Quoi? Mais pourquoi? Viens là, la vache. Et mais par contre, je sais pas comment il a fait pour ne pas remarquer que j'étais vraiment un animal un peu bizarre. Je suis vraiment en train de bouger comme un humain, quoi. Enfin, j'arrive pas trop à imiter l'animal. Et depuis le début, je suis à 2 cm de lui, il a rien remarqué. Oui, elle est rentrée, je suis un génie. J'ai fait apparaître un deuxième panda, je me dis, mais il a même pas vu, non, mais c'est pas possible. Et maintenant, il y a la deuxième là-bas. Ya! Yeah. Et vous savez quoi, les petits animaux? Voilà, laissez-moi rentrer, voilà, comme ça. Oh non, il m'a clairement vu, non, c'est bon. Il a rien vu là! Mais c'est pas possible, là, je viens clairement d'ouvrir le portail devant lui, il a rien vu, mais Natop! Là, je te tire. Voilà, ma belle. Et mais vraiment, vous allez juste dire que c'est fake, mais je vous promets qu'il est juste aveugle en fait, hein. J'ai l'impression qu'il veut des cochons, le petit Natop. Et vous savez quoi, on va en poser un petit peu là, comme ça. Ouah, non, c'est bon, ok, il m'a pas vu. Non, mais là, clairement, en fait, ça trouve depuis le début, il m'a vu, juste, il fait exprès. Bien, j'ai déjà enfermé 4 mobs. Les poulets, les vaches, les moutons et les cochons. Il y a beaucoup, beaucoup de cochons là, quand même, je trouve. On va poser plein de petits cochons ici, ok, c'est bon, il a rien vu. Aussi un petit peu là, sur les côtés, ok, c'est bon, il a rien vu. Et là, juste à côté, là, comme ça, ok, là, c'est bon, pile, pile, pile derrière lui, ok, c'est bon. C'est l'histoire de 3 petits cochons qui mangeaient 5 fruits et légumes par jour. Quand tout d'un coup, pas le loup, les produits laitiers. Mais il y a encore des trucs violets là. Mais pourquoi ça, on dirait que ça se propage, genre là-bas, il y en a un peu. T'en as un peu là, t'en avais un peu là-bas. Voilà. En faisant ça, j'ai encore plus corrompu le monde, ce qui fait que maintenant, il casse tout super lentement. Et voilà, on va vraiment lui supprimer tout ce qu'il avait dans son inventaire. Et regarde, il y en a encore vite fait là-bas. Il y a un panda. Les villageois, mais oui.
oui, il y a plus de villageois, mais c'est très triste ça. Là. Qui t'a dit que tu pouvais partir? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi cette vidéo? Je kidnappe des gens sans leur consentement, je les chope, je leur dis allez, viens là. Normalement là, il va forcément les voir, mais je sais pas, il doit juste se dire que c'est un peu buggé et tout, il doit pas trop comprendre ce que c'est. Mais il y en a encore un là, truc. Mais j'avais pas vu. Non, tu mais reviens. Barrière, j'en ai plus qu'une, mais pourquoi? Regardez là, je suis vraiment déguisé en humain normal, regarde, je peux un petit peu me balader comme ça. Il m'a pas vu, non, c'est bon. Je suis vraiment transformé en mouton vert sous ses yeux, vraiment. Et non, mais là, je pense clairement on m'a vu sur sa vidéo, mais c'est pas possible. Oh, t'es quand même... Aïe, beaucoup de trucs. Aïe. Ok, je suis allé à un demi-cœur, mais c'était rentable, je suis full vie. Mais c'est incroyable, hein, ce bloc. En fait, j'en veux partout, quoi. Mettez-moi en plus, hein, SVP. Aïe, mais punaise, mais... Les dégâts de chute comme ça, c'est trop chiant. Il me faut un saut. Après, c'est vrai qu'un mouton vert naturel, c'est peut-être un petit peu rare. C'est vrai que ça devrait pas exister en vrai, mais bon. Oh, il y a un mouton vert, mais quoi? Mais c'est genre hyper rare, ça. Eh, hey, viens là, mouton vert. Oh non, regardez, il est là avec son lasso. Oh non, il m'a kidnappé, non. Là, il m'a vraiment kidnappé avec sa laisse. Mais attendez, faut vraiment que j'arrive à faire l'animal normal, là, pour être sûr vraiment que c'est bon. Ok, vraiment, on va le suivre là. On va vivre des belles aventures ensemble, toi et moi. Regardez, le mouton vert, il me suit là. Allez, mouton vert, fais-toi corrompre. Mais ça marche même pas avec les moutons. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais c'est quoi? Vraiment, on va juste partir un petit peu. Voilà, on va partir comme ça. Ok, et là, c'est bon. Là, pendant qu'il regarde pas, on va tranquillement disparaître. Et j'ai perdu ma liasse même. Oh, j'ai encore mon... Wouh. Voilà, c'est bon, regardez, j'ai rajouté plein de blocs corrompus un peu partout. Il y en a vraiment plein là quand même. Et là, en vrai, le monde, il est pas encore comme sur la miniature, mais il est déjà assez stylé. Allez, allez. Ok, donc maintenant, il faut que je kidnappe quoi d'autre. Oh, il y a des chevaux là-bas. Ok, regardez, c'est bon, il est juste là. Je sais pas s'il m'a vu apparaître, parce que vraiment, j'ai apparu devant ses yeux. Mais là, normalement, son monde commence vraiment à être bizarre. Tu es à moi maintenant. On est des tubes, on n'est pas... Pourquoi what the... Pourquoi mon F5, il est... Mais regardez-moi ça, mais j'ai pas changé mon FOV. Ah non, mais pourquoi mon F5, il est aussi loin, genre... On dirait que je fais un podcast pour les profs. Non, mais bon, bref. Là, normalement, quand il se met en F5, c'est super bugué. Genre, il y a vraiment des trucs bizarres qui se passent. Ok, là, c'est bon, il regarde pas. Je vais pouvoir disparaître. Ok, c'est bon. Viens là, cheval. Viens là. Mais c'est trop loin. Je vois rien. Mais pourquoi? Mais c'est quoi ce Minecraft maudit? Mais viens là, cheval de mort. Ok, c'est bon, là, il est parti. Donc, j'ai un petit peu plus de temps. Donc, maintenant, si je vais sur ce site, je vais pouvoir créer un armor stand spécial. Et vous allez voir, ça peut être très utile. On va l'appeler particules. Regardez, ça fait apparaître des petites particules un peu de corruption bizarre. Regardez, c'est des petites particules un peu violettes. Et là, je sais pas où il est parti. Donc, vous savez quoi? En vrai, je vais pouvoir tranquillement sortir comme ça. Voilà. Viens là toi. Allez hop. En vrai ça avance hein, notre petit truc hein. Va falloir que j'aille rechercher du bois. Et regardez, je vais faire un truc marrant. Genre si je la mets là, hop, je suis caché. Je vais peut-être un peu casser cette maison. Oui mais chut, dites rien aux villageois s'il vous plaît. On va poser des particules un petit peu partout là comme ça, ok. Mais il y a encore des blocs là. Mais quoi? Mais oh what? Ah oui. Oh mais toute la zone là elle est foutue en fait. Qu'est-ce que... Pourquoi il y a autant de particules là? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette traînée mystique? Aïe mais ça pique ça. Voilà, on va s'y poser un petit peu plus de blocs violets comme ça. Ouais bon là il y a clairement beaucoup de particules. Ça que j'en ai peut-être mis un peu trop. En vrai. Bon, par contre, j'ai l'impression que là, pour l'instant, il a pas trop touché au poisson qu'il y avait. J'ai envie, en vrai, aussi de me faire un espèce de mini coin quand j'aurai des armures. Donc, je vais déjà me faire un petit armor stand. En gros, je veux un coin où, genre, il y a toutes les armures. Voilà. Bon, bah, écoute, on va dire que le villageois n'a jamais une maison ici, d'accord? Il y aura peut-être un lit flottant, mais. Attendez, regardez, je crois qu'il a un armor stand dans la main. Eh, ça me donne une petite idée, c'est un armor stand. Oui, mais il y a carrément un trou maintenant. Mais quoi? Mais bon, ok. Voilà, un petit bout là, comme ça. Ah, oh, c'est génial, ça n'a top. Vraiment, des petits armor stands comme ça. Vous savez quoi, vraiment, je vais essayer de m'approcher un peu tranquillement. Voilà, comme ça. Voilà, regardez, j'ai fait apparaître un autre armorstand, c'est quoi? On va aussi casser celui-là, on va aussi faire apparaître celui-là comme ça, voilà. Et j'ai envie d'aller voir un peu les mobs sous-marins, donc les poissons, les petits poissons qui font poui 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 poui. Non, ils font pas ça, mais ouais. Allez, si je fais le saut, vous devez vous abonner. Oh, trop relou, vous devez vous abonner. Au pire, vous savez quoi là? Pendant qu'il est parti, il y a encore ces petits animaux. Et ben les animaux, on pourra les corrompre. Parce que ouais, ce qui s'est passé, c'est que là, on a un mode très particulier. Et maintenant, on pourra faire apparaître du coup des vaches spéciales. Regardez, c'est vraiment des vaches qui ont été un peu modifiées. J'ai l'impression que les villageois aussi, on va pouvoir en poser des morts. Regardez, ils sont bizarres, ouah. Je peux pas me choper moi, non? Ah, mais il y a de la bouffe ici, mais j'avais jamais vu. Ça, c'est vraiment des villageois modifiés. Regardez, oh, en plus, quand il les tue, ça se transforme. Oh, c'est trop stylé, ah ouais, voilà. Mais bon, maintenant, faut que j'arrive un petit peu à me rapprocher de Natop. Là, je sais pas trop où il est parti. Pa-la-pa-pa. Il va me falloir un bateau. Oh non, regardez, c'est bon, ok, il est juste là. Oh, y a un poisson là, attends, ouais. Yiha, et je peux choper des poissons ou pas? Oh non, il a voulu me kidnapper, je crois. Attendez, qu'est-ce qu'il y en a? Je crois qu'il m'a kidnappé. Oh, je peux. Oh, waouh, mais comment ils vont vite? Viens là, poisson. Et moi, il me faut un autre poisson là. Voilà, on va faire apparaître plein de petits monstres comme ça là dans les eaux. Ah, parce que là, pendant qu'il est dans les océans, il sait pas que dans les océans, il y a vraiment des monstres bizarres. Oh, j'avais pas vu ça. Oh, c'est trop bizarre. Oh, waouh. Mais c'est quoi cette merde? Waouh, regardez la taille des trucs que j'ai fait apparaître. Regardez la tête des animaux là, vraiment, Nathan, il va mourir. Non. Mais il y en a d'autres qui apparaissent en plus, mais c'est quoi cette merde? Mais wesh, mais ça vient d'où ça? J'ai pas de mode, normalement Multi m'a juste filé le mode lasso et c'est tout. Elle, je sais pas pourquoi il essaie vraiment de les kidnapper, mais il va se faire tuer, Natop. Ya. Mais wesh, c'est quoi ça? Je vais choper ça. Attends, je vais la tuer.
Six hours later. Waouh, regardez en quoi je suis déguisé, c'est vraiment bizarre. Bon, vite, faut que j'aille choper mon stuff là. Ah, mon stuff est là. Oula, non, j'ai marché sur ça. MLG. Oh, je suis un génie, voilà, facile. Ok, 0 sur 1 player sleeping. Ok, donc ok. Et oui, regardez, c'est bon, la top, il est là. Mais c'est quoi cette merde là? Oh, what the fuck. Oh, c'était. Ah, putain, mais c'est terrifiant ce truc là. Ah. Et voilà, c'est bon, regardez, coursons-le, voilà, on arrive. Ah, c'est moche ça. Ah, non, mais. Ah. Mais c'est quoi cette merde là? Mourez tous. Ah, c'est dégueulasse. Regarde-moi la tronche du zombie. Non, mais là. Ah, 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 ah. Il y a des chevaux de l'enfer, des cavaliers de l'enfer, je sais pas quoi là qui arrivent. Et normalement, il peut pas courir plus vite que nous. Regarde, on est vraiment des chevaux là. Normalement, c'est bon là, on l'a large. Et bah alors, vous pouvez pas me choper, bande de nulos. Aïe, putain. Non, il est monté sur le toit d'une maison, mais non. Et là, vraiment, le monde il commence vraiment à être bizarre. Ah, mais ouais, il leur faut combien de coups pour qu'ils meurent aussi, ces cavaliers de l'apocalypse là. Ah, oh, mais même le monde il commence. Il y a de plus en plus de trucs violets là. Ça vient d'où? Mais c'est terrifiant. Et non, mais là, s'il a pas cramé pour l'instant, vraiment, je comprends pas. Parce que regardez la tête du monde. Regardez là, maintenant, il est devenu super grand. Regardez, on a l'impression qu'il s'est fait écrabouiller par un truc. Oh, mais regardez-moi, ça, mais je suis encore plus loin et les items ils sont encore plus grands quoi. C'est quoi cette scène? Mais mes armor stand, mais. Voilà, toi tu meurs. Regardez-moi ça, mes armor stand. Ils sont bizarres là. Voilà, regardez là, vraiment, le monde il est devenu super corrompu. Ah, ah, oh, mais c'est pas moi ça, c'est pas moi. Oh non, mais. Pourquoi je suis épais comme ça? Non mais c'est. Attends, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi je mine aussi lentement? Mais non, non, mais là, non, mais là, c'est quoi ça? Non mais. Je vais lui faire apparaître plein d'espèces d'animaux bizarres. Regardez là, partout autour là, comme ça, voilà. Et hop là, on va disparaître. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh what? Mais c'est moi, je suis devenu plus grand. Mais what the fuck? Non mais là, il y a quelqu'un qui me troll là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va lui faire apparaître des monstres partout ici. Ok, c'est bon. Ah yo, mais c'est quoi cette? Non, mais non, mais non, mais laissez-moi tranquille. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouah, non mais regardez là, je crois vraiment que son monde n'a plus aucun sens. Regardez, c'est quoi ces trucs? Et vraiment, je peux juste le regarder à distance là, comme ça, il peut rien comprendre. Alors, tu t'attendais pas à ça? Aïe, mes oreilles, ta mère. Mais laissez-moi! Dites-vous que là pour l'instant, vraiment, il me voit pas, alors que vraiment, je suis juste devant lui, hein. Vraiment, je suis juste là, regardez, c'est n'importe quoi! Facile, voilà, tous ces mobs là qui apparaissent. Eh non, mais Natop, mais regardez la taille de son épée, ça n'a aucun sens! Non, mais je meurs encore en boucle! Natop, on arrive! Eh, ce grenouille, vraiment, regardez-le, on n'arrête pas de le tuer! Non, mais là, c'est forcément quelqu'un qui me troll ou un truc comme ça, c'est pas possible. Regardez-moi ça, l'état de mon monde! Mais bon, ah non, mais c'est quoi ça? Ah, mais ça se téléporte en plus. Mais c'est quoi, on va commencer un peu à le frapper là comme ça. Vraiment, c'est quoi, vraiment tout casser comme ça là vraiment. Ok, me voilà dehors. Ok, me voilà dehors. Oh, il y a mes armor stands qui ont survécu, mais c'est tout. Il y a plus d'enclos, il y a plus rien. En vrai, ça peut être multi. Je pense que c'est multi en vrai. Tout à l'heure, il s'est connecté, il s'est soi-disant déconnecté. Parce que je pense qu'à ce niveau-là, c'est très bien que c'est moi. Donc en vrai, on va vraiment pas se gêner. Multi, Discord. Ok, je crois qu'il m'appelle sur Discord. Oui, Natom, qu'est-ce qui, j'ai rien fait. Pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce qu'il y a? Non, toi, tu fais rien. Ton toi. Monde il va très bien. Moi, je ferais jamais ça. Bah, t'aimes pas ton monde là comme ça. Il est bien mieux qu'avant. Je boffe quand même, hein. Et maintenant, t'as 5 secondes pour cliquer sur cette vidéo. Voilà, du coup, elle va être très très bien. Je te promets, elle va être géniale.